j'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo, c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors, l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors, si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Et c'est l'heure de la zone libre avec Franck qui est avec nous depuis ce matin, Liselotte, Marie Falicon et puis Juliette Briens. Bonjour Juliette Briens. Bonjour tout le monde. Directrice de la communication de l'Incorrect, chroniqueuse chez nous. Et puis alors vous êtes partout en ce moment, vous étiez chez BFM hier. Enfin, vous êtes d'un grand courage Juliette d'être à la fois sur BFM tard le soir et puis tôt le matin avec nous. Et puis nous sommes avec Louis Rigaudière. Louis Rigaudière qui a une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Je prends la parole 30 secondes pour vous remercier chers auditeurs. Oui, c'est déjà beaucoup. Parce que vraiment notre chaîne YouTube a vraiment explosé au mois de novembre. Elle a atteint 3,4 millions de vues cumulées. C'est absolument énorme. Donc merci à vous pour vos partages. C'est vraiment gentil de votre part et bravo à toute l'équipe pour votre succès parce que c'est globalement des chroniques qui ont vraiment explosé la chaîne. Bravo à vous Louis. Bravo à Juliette aussi qui fait partie des meilleures chroniques également. Merci à tous. On vous invite à vous abonner, à partager, à aimer, tout ce que nous mettons sur YouTube, c'est très important pour le référencement. Exactement. Alors avec Juliette, je voulais vous parler de Cédric Gallino. Alors je ne sais pas si vous avez vu qui était Cédric Gallino. Il a été victime de racaille lors des émeutes. Il a chassé des émeutiers qui tentaient de lui voler sa Tesla. Il s'est défendu tout simplement avec une épée en acier. Et je vous propose d'écouter son témoignage, puis on en parle ensemble. Le soir des émeutes, j'ai chassé les émeutiers de chez moi. Ce soir-là, son pavillon est le seul à avoir été attaqué. Il est minuit lorsque ce chef d'entreprise entend des bruits sourds venant de son garage. Ils sont rentrés par ce portillon, là, qu'on voit ici, qu'ils ont défoncé à grands coups d'épaule et de pied. La serrure a fini par lâcher, ils sont rentrés par là. Des assaillants viennent d'enfoncer son portail en chaîne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. Cédric Gallino demande à sa femme d'appeler la police et descend voir ce qui se passe. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gugus cagoulée qui est rentrée. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces Gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes deux derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. Et donc, le premier truc que vous aviez sous la main, c'était... En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiévale quand j'étais étudiant. Donc, je faisais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournois. Elles sont pas tranchantes, elles sont pas pointues. C'est en acier, ça fait mal, mais ça. Lorsqu'il se rapproche de sa voiture, il découvre qu'elle est occupée. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. Donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre en fait la Tesla, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continuait à sortir. Donc en fait, quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidextre, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi ». Je ne savais pas ce que ces gars voulaient, je ne savais pas ce qu'ils faisaient là, je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin ». Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre, il s'est fait agresser par des racailles. Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. » Mais c'est-à-dire, vous vous êtes fait justice vous-même ? Non, il faut juste se défendre, voilà. Le droit prévoit, c'est prévu dans le droit, je veux dire, article 122.6 du Code pénal prévoit que... si quelqu'un rentre de force de nuit dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit. Et d'ailleurs, ni le procureur ni les policiers m'ont embêté avec ça. J'étais parfaitement dans mon droit. Je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison.
Avec son neveu et ses deux fils de 13 et 15 ans, Cédric Galino dit avoir ensuite monté la garde jusqu'à 4h30 du matin. Chacun une épée dans la main. Voilà, c'était Cédric Galino, c'est un extrait d'un complément d'enquête sur France 2. Le Oui Connard t'es chez moi est vraiment génial. Oui, c'est ça, oui. Alors justement, Juliette, vous comprenez cet homme. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il préfère se défendre, voire même, malheureusement, devoir tuer quelqu'un s'il est en légitime défense chez lui, plutôt que justement être tué par ces personnes, faire partie de ces énièmes faits divers. Et il explique, je m'en fiche de qu'il y ait une marche blanche après ma mort. Enfin, c'est-à-dire que ce qui compte pour lui avant tout, c'est de protéger sa femme et ses enfants. Oui, bien sûr. Bah, c'est du sens commun. Hein. De toute façon, j'entends la question. Surtout, moi, j'ai été choquée par la question du journaliste. Mais vous vous êtes fait justice vous-même ? Non, ça rentre même pas dans cette notion de se faire justice soi-même. Ça rentre dans la légitime défense. A priori, c'était là pour voler sa Tesla. Bon, il n'en savait rien. Effectivement, on dit souvent que l'État a le monopole de la violence légitime. Quand cette violence n'est pas exercée pour protéger le citoyen, le citoyen n'a plus d'autre choix que d'exercer sa légitime défense. Après, le problème, c'est qu'en France, la légitime défense, elle est très difficilement prouvable. Et souvent, ça retombe sur les gens qui se sont défendus. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et pour les gens qui se font justice eux-mêmes, ça finit toujours plutôt très mal. Je me rappelle d'un cas en particulier, par exemple, ce monsieur, ce bijoutier à Nice, vous vous rappelez, qui avait tiré sur un braqueur. Ça faisait 5 fois qu'il se faisait cambrioler, 5 fois qu'il portait plainte. Et au bout de la 5e fois, il en a eu marre. Il a pris son fusil, il a tiré sur un braqueur. Bon, vous avez envie de dire... Il y a un côté, vous comprenez qu'au bout de 5 fois, il y en est marre, qu'il y en ait trop, mais la justice ne vous donnera pas raison, et c'est ça juste qu'il faut avoir en tête à ce moment-là. Après, bon, là, quand, si vous voulez, il y a dans la balance la vie des racailles et la vie de votre famille, effectivement, la question ne se pose pas. Mais ça me fait juste petite chose là-dessus. Olivier Véran nous a demandé, quand même, nous a dit la dernière fois, excusez-moi, que la société risquait de basculer. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable comme on a la mémoire courte. Il y a quelques mois, on était en pleine émeute et la France était en effet à feu et à sang. Et des gens se faisaient investir leur maison par des hordes de racailles assoiffées de sang. Et Olivier Véran nous dit, la société va basculer. Je pense qu'elle a déjà basculé, oui, elle a c'est déjà... ça. Voilà. Elle a déjà basculé, ce qui est drôle aussi, enfin ce qui est drôle, ce qui est pas drôle, mais Cédric Galino notamment dans ce reportage, il explique, moi je leur dois rien. Et c'est intéressant aussi de dire ça, c'est-à-dire que souvent en fait, des gens aussi laissent faire, laissent passer en disant « Ah bah, ce sont des gens issus de banlieue, ce sont des gens qui ont été victimes de racisme, qui ont été victimes de discrimination » et finalement on laisse passer justement parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste, parce qu'on a peur d'être dans les faits divers et justement lui il explique « Je leur dois rien, la Tesla en question, bah, il a travaillé pour la payer et puis il se protège ». Tout simplement. Et lui a rien arrivé que je sache à ce monsieur où il a été inquiété par la justice. Il a rien eu. Comme il a mis des coups. Bon alors effectivement je pense pas que les racailles soient allés porter plainte, hein, ça m'étonnerait. Voilà. Non mais là il était clairement en légitime défense, donc s'il protégeait sa propre vie ou ceux de son de sa famille, il risquait rien. Pas forcément en légitime défense si, par exemple, les armes des deux côtés n'étaient pas équivalentes. Ah oui, aussi. Ouais. Ça doit être parfaitement proportionnel. Ouais, donc si on me met un coup de poing, j'ai pas le droit de sortir un couteau. Alors justement, là, quand il explique que je leur dois rien, vous comprenez ce propos de Cédric Galino. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on peut appeler un Gaulois réfractaire. Quoi. Oui, et d'ailleurs, il faudrait... Avec il une plus épée, prendre... vraiment. Ouais, il faut plus de... c'est très chevaleresque comme histoire. Il faut plus souvent... donner à ces personnes, si vous voulez, qui s'expriment de manière spontanée, parce que ça fait énormément de bien, parce que ça parle à tout le monde, et ça a beaucoup d'impact, et beaucoup plus d'impact que souvent les sachants qu'on entend à la télé, sur les plateaux, etc., sur les radios. Et on en a eu un autre
lors de l'affaire Crépol, justement le jour où Olivier Véran est venu. Il y a un monsieur qui a interpellé Olivier Véran et ensuite qui a eu un cri du cœur et qui a parlé avec ses mots. Et souvent, en fait, quand on parle avec simplicité, quand on s'éloigne de la politique, eh bien, en fait, on sort des choses avec son sens commun, comme « je ne leur dois rien ». Voilà, je ne leur dois rien. Et ça, c'est clair, en fait. C'est clair et c'est légitime et c'est limpide. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'entendre des gens comme ça plutôt que parler des politiques voilà. Oui, tout à fait. Alors, aux gens, en fait. Et ça fait aussi écho à ce qui s'est passé, on le rappelle, donc samedi soir, avec cet attentat d'Iman Rajabpour Myeongdoab. D'ailleurs, Liselotte l'a parfaitement dit dès 7h du matin ce matin. Moi, j'ai encore un peu de mal. Je me suis levé à 4h pour m'entraîner. Voilà, c'est ça. Le nom est long et pas facile à dire. C'est Iman et pas Armand. Oui, c'est ça. C'est Iman et pas Armand. Oui, voilà. Aussi... C'est très intéressant, hein, si vous me permettez. On est passé quand même en une nuit de la version de Gérald Darmanin qui est venu nous dire en premier lieu, c'est un Français né en France qui s'appelle Armand. Le lendemain, grâce aux réseaux sociaux et à une certaine presse indépendante, on se retrouve avec un Iman Rajabpour Myeongdoab. Un Iman français d'origine iranienne et naturalisé. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose, évidemment. Alors, évidemment, règne une grande omerta autour de la question, puisque s'il a été naturalisé, ce qui est le cas, hein, puisque ça a été confirmé par la presse, ça veut dire qu'il y a un article quand même dans notre loi qui s'appelle l'article 65 du Code civil, qui permettait qui permet la déchéance de nationalité en cas de terrorisme. Cet homme a été condamné à 4 ans de prison, plus avec sursis, pour avoir fomenté des attentats à la défense. Alors déjà, premier problème, on prépare des attentats dans ce pays, sur le sol français, on prend 4 ans de prison. Moi, Et vous savez, voilà. Bon, on va en reparler, qu'il a fait une taquia, notamment en disant « mais j'ai changé, je condamne notamment mon passé ». Mais ça, voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont fait leur travail dans cette histoire et il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Ceux qui ont fait leur travail, c'est les services de renseignement et la police qui ont héroïquement arrêté le terroriste. Et après, il y a tout le système de défaillance. C'est-à-dire qu'en fait, chez cet homme, on pouvait rien ajouter. C'est-à-dire qu'il y avait tout. Il y avait tout, on savait tout. On savait qu'il était à moitié... alors, apparemment, qu'il avait un cas psychiatrique. Alors après, encore faut-il prouver qu'il était psychotique. Les faits nous montrent que non, puisqu'il était parfaitement cohérent avec la police, qu'il avait évidemment prémédité son attentat, puisqu'il avait fait une vidéo de revendication avant l'attentat. Il y avait les signalements de la DGSI qui demandaient en fait à la juge il y a quelques mois de pouvoir faire une visite routinière de domicile. La juge a dit non. Et on a appris aussi que la propre mère du terroriste avait alerté il y a très peu de temps la police et les juges pour dire attention, mon fils, je sens que ça va mal, quoi. Et son entourage aussi. Son entourage, il avait précisé. Aussi, il avait communiqué avec d'autres terroristes. Ses fréquentations notoires et ses communications avec des terroristes, notamment le terroriste de Samuel Paty. Voilà. Bon, ça, je suis vraiment désolée. Quand on est condamné en France pour terrorisme et qu'on sort, après, si on a des fréquentations, des communications avec des terroristes, mais pour moi, c'est de la récidive. C'est retour à la casse-prison, mais directement. Mais ça, c'est du sens commun. Donc, en fait, il y a eu une défaillance complète et totale de tout le système. Et on en est arrivé là hier. Mais les sachants vous parleront d'état de droit. Oui, mais l'état de droit. Voilà, l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit. Quand on marche dans la rue, il y a l'état de droit. Il y a aussi le droit aux citoyens à ne pas se faire égorger, vous comprenez. Quand ce droit-là n'est pas respecté, il n'y a plus d'état de droit. Ah oui, tout à fait. Il n'y a plus d'état de droit. C'est un sujet assez grave parce qu'il y a des profils très similaires qui, en masse, vont bientôt sortir de prison. Voilà. Et évidemment, on n'a absolument pas les effectifs pour les surveiller tous. Parce que qu'on est occupé à surveiller l'ultra-droite. Oui, évidemment. Voilà, la giga ultra-droite, évidemment. Mais évidemment, c'est un vrai, vrai sujet qui fait très peur. Moi, j'ai un sonore. Et on met des QR codes aussi pour les Jeux Olympiques. On n'a pas le temps d'être partout. Merci Juliette Briens. On vous retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Et je rappelle aussi le dernier incorrect, hein, les nouveaux parias. Non, c'est les nouveaux parias, c'est ça? Non, les prophètes parias. Les prophètes et parias, voilà. Ça sera notre table ronde de demain. Merci beaucoup Juliette Briens.